Mon histoire doit changer. Nous sommes le dimanche prochain. Et je vois un nom qui s'affiche devant moi. Je vois A. Je vois D. Je vois R. Je vois I. Je vois A. Je vois N. Et je vois A. Adriana, c'est qui? Qui connaît quelqu'un qui s'appelle Adriana? Ou bien tu t'appelles Adriana, c'est qui? Ta nièce. Ben, je vois l'ange qui continue d'écrire. Je vois dans la vision, je vois A, je vois R, je vois I, je vois E, et je vois L. Et je vois L et je vois E. Ariel, Adriana, c'est qui? C'est toi. Acclame le Seigneur. Comment tu t'appelles? Tu t'appelles Ariel, mais beaucoup de personnes t'appellent Adriana. C'est pourquoi Dieu a mis ce nom là-dessus. On m'appelle. Je vois le lien de sang qui te fatigue beaucoup. Le lien de sang. Et Dieu me dit pour toi de prier avec l'huile. Il y a des choses que je ne vais pas dire, mais je vais laisser ça. Je vais simplement prier pour toi avec lui. Donnez-moi l'huile à ta chambre. Le lien de sang que fatigue beaucoup, le lien de sang. Ça t'emmène à faire des choses. Je vais prier pour toi. Lève les deux mains. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la marque de Dieu. J'annule tout lien de sang dans ton sang. J'annule tout lien de sang dans ton sang. J'annule tout lien de sang dans ton sang. Par le sang de Jésus. Sois disposé à le sang de Jésus en train de rentrer dans ton sang. Et tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus en toi, sors. Sur la grâce du sang de Jésus. Laissez-la d'abord, ne bloquez pas l'onction. Ne l'attrapez pas d'abord. Laissez l'onction se manifester en elle. La puissance du sang de Jésus-Christ. Et un travail qui se fait dans son corps. Dieu est en train d'enlever toute impureté dans son sang. Le lien de sang est en train d'être brisé. Je vois un nouveau départ. J'entends un nouveau départ. Amen. J'entends un nouveau départ dans sa vie. L'huile que j'ai imposée là, c'est une huile sainte. J'entends un nouveau départ. Il y a une transformation qui se fait dans son sang, dans son corps. La guérison divine est en train de venir jusqu'à elle. Elle reçoit la guérison divine. Elle reçoit la guérison divine. Il y a une transfusion qui se fait d'en haut jusqu'en bas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est fait. Dieu te bénisse. Tu es guéri. Au suivant. Elle a quoi? Hein? Sa tête bouge. Tu as quoi à la tête? La tête bouge. Mais ce n'est pas d'elle que j'étais en train de parler tout à l'heure. Hein? Pourquoi elle est restée là-bas? Il a fallu que l'esprit même la prenne pour venir ici. Parce qu'on est dans l'onction. Hein? Quand vous êtes là, on est dans l'onction. Quand la révélation te concerne, si tu ne veux pas venir, l'esprit aussi parfois peut te tirer pour venir ici. Donc sa tête bouge. Ça, c'est un esprit qui fait ça.
Reçois la délivrance au nom de Jésus. Dans tout ton corps, dans ta tête. Feu! Feu de cet esprit. Laisse approcher de Jésus. J'agite ma main, ce n'est pas moi qui agite ma main, mais c'est l'ange de mon ministère. Amen. C'est-à-dire, moi je fais les mouvements et lui il exécute les mêmes mouvements. Ça, il faut être dans une dimension pour faire ça. Amen. Dieu est en train. Mon histoire doit changer.